des brigues, villes françaises incluses dans le territoire italien, font retour à la France. Ainsi en a décidé, selon la justice, la conférence des quatre réunie à Paris. Depuis 1860, la frontière italienne, où les carabiniers hier encore exerçaient un contrôle sévère, coupait ainsi la terre française. Le droit et la justice vont la supprimer aujourd'hui. Ainsi, Brigue va redevenir ce qu'elle n'avait pas cessé d'être au fond du cœur, un coin de Haute-Provence. Brigue, avec sa vallée où ruissellent les eaux qui alimentent les installations hydroélectriques de la Roya, qui fournissent l'électricité à une partie du Piémont et du pays génois. Ainsi, Tende, où l'esprit français ne s'est jamais démenti, Tende, qui garde le pittoresque d'un village provençal, attend maintenant l'arrivée des représentants de l'autorité française. C'est un coin de sol français depuis toujours, où les 4000 habitants sont français, pensent français, et ont toujours depuis 1860 manifesté leur volonté d'être français, qui retourne à ses véritables destinées. Comme l'ont écrit sur leur terre ces Français séparés d'hier, ici, c'est maintenant la France.